Salut à toutes et à tous, c'est Raven1450. Aujourd'hui, je vous propose encore une petite vidéo sur Hitman Absolution et je vais vous montrer aujourd'hui comment réussir la suite de mission, si on peut appeler comme ça, la suite de petits niveaux, sauf qui peut, sans se faire repérer. Et donc pour avoir les points maximum. Voilà, je vous fais passer la petite cinématique. Parce qu'en fait, je sais pas s'il y a quelqu'un à tuer. Tout ce que je sais, c'est que avec les trois premières, c'est que les trois premiers niveaux, en tout cas, il y a personne à tuer. Donc voilà. De toute façon, là, il n'y a pas bien le choix. Il faut passer par là. Je trouve que les graphismes sont quand même vraiment pas mal hein, sur ce jeu. Donc là en fait on peut foncer directement, on va juste attendre qu'il se retourne. Ah non, en fait même pas, voilà, on peut y aller. Là on passe à droite, comme ça les flics à gauche ne voient pas. Là on va venir se mettre à abri ici. Et normalement on peut directement y aller. Voilà. Voilà, c'est en gros, c'est le premier mini-niveau. Là, on arrive dans la bibliothèque. Donc, je vais vous faire passer aussi. Hein. Et je trouve que la bibliothèque est quand même assez assez dure comme niveau à réussir sans se faire repérer du tout, du tout. Moi, ce que je fais, c'est que je passe directement en dessous de l'escalier en prenant ici par à gauche. Comme faire attention de ne pas se faire repérer. Ensuite, là, il faudra forcément attendre que les autres policiers partent parce qu'en fait, on va se faufiler derrière là, à droite. Donc, on va attendre qu'ils partent. Les issues sont bloquées. Personne n'entre ou ne sort d'ici sans mon autorisation. Fisano, ça vient cette lumière, oui ou merde? C'est pas trop tôt. Voilà, donc maintenant qu'il a remis la lumière. Les autres ils vont partir, donc on va pouvoir se faufiler discrètement. Voilà. Là on prend directement l'escalier en fait, ici. On monte là. Et on va directement passer là. Et là, on descend. Voilà. Et là il y a un petit point de contrôle à activer. On sait jamais. Là c'est vraiment serré parce que j'ai galéré un petit peu à passer, mais sinon en principe ça va tout seul. Voilà, donc là on se faufile discrètement en essayant de pas se repérer. On peut passer à travers ici, donc c'est ce qu'on va faire. Pourquoi il veut pas? Voilà. Et là par contre on va devoir... Ouais, j'aurais peut-être pu y aller en fait. Mais bon, je vais attendre qu'ils repartent, parce qu'en fait, il y a un flic qui va venir juste là. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais réussir à monter. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends sur la droite, histoire de ne pas me faire repérer par les autres. Et ensuite, on peut directement prendre l'escalier. Et là, par contre, c'est toujours un petit peu tendu, parce que... Là, il y a un seul mec, mais il y en a un deuxième qui va arriver. En fait, on va tenter d'y aller directement. Voilà. C'était vraiment limite, mais c'est passé. Et si vous sentez que c'est vraiment trop tendu, bah, vous attendez qu'il fasse leur petite ronde et le deuxième il devrait repartir. Voilà, donc là, plus qu'à monter.
Ensuite, il faut le traverser sur la petite poutre. Et voilà. Comment sortir de la bibliothèque sans se faire repérer du tout. Et sans tuer personne ou neutraliser personne. Alors maintenant, ça va être la partie avec l'hélicoptère. Là aussi, c'est assez tendu de ne pas se faire repérer. Donc là, il faut directement courir en fait. Se mettre à l'abri pour ne pas se faire repérer par l'hélicoptère. Et là, on se met tout le temps à couvert. Et à chaque fois, utilisez bien la touche là pour changer d'abri. Vraiment pour pas se faire repérer. Donc là, il faut bien longer le long des murs. Voilà, hop. Un petit coup de W. Voilà, on y va. Et voilà. Donc il n'y a rien de très compliqué. Il faut juste bien faire attention de rester à couvert tout le temps. Là, il faut aller ici pour activer le fait qu'ils vont venir vérifier ici. Donc on se met là en attendant qu'il arrive. Et on va se faufiler juste derrière lui. Donc attendre qu'il se mette dans cette position là. Voilà, ensuite on se faufile directement à gauche. Et là, pour pas que l'hélico il nous repère, il faut encore une fois rester à couvert tout le temps. Voilà, donc on utilise W pour changer d'abri. Moi je suis sur PC mais sur console c'est la même chose. Des nouvelles de l'unité au sol? Il fouille la bibliothèque. Et à mon avis, ils perdent leur temps. Et donc là, il va falloir attendre qu'ils aient fini de parler pour pouvoir y aller. Et il va y avoir un timing à respecter, un petit peu comme dans certaines autres missions, entre l'hélicoptère et le garde. Donc là, on va attendre qu'il repart de l'autre côté. Parce que vous voyez, en fait, l'hélicoptère, il fait deux points entre à gauche là et par là. Et donc, il faut attendre qu'il parte à droite pour aller à gauche, c'est mieux. Et ensuite, pour pouvoir se refiler dans la petite porte là-bas, bah, il faut attendre qu'il soit à droite et que le flic ne regarde pas non plus. Parce que là, si je sors, je vais directement me faire repérer. Donc encore une fois, ça nécessite un petit peu de patience, mais bon, on y arrive. Il suffit juste d'atteindre le bon timing. Donc là, voilà. Donc typiquement, maintenant, on peut y aller. Et voilà. Voilà, donc là, pareil, il y a une technique en fait, il faut attendre que le gars vienne prendre sa petite plante de cannabis et se barre avec, ensuite on peut y aller. Là, on passe directement à droite. Tiens, tiens, en voilà des pupilles bien dilatées. Vous êtes dans la merde jusqu'au bout, les gars. Arrêtez, on n'a rien fait de mal. Allez, on passe contre le mur. Donc voilà, maintenant pour passer ici, en fait il faut juste attendre que les deux finissent de parler. Et on peut directement les suivre. Et le propriétaire se plaignait que le bâtiment puait la résine de pin. Et ben maintenant on sait pourquoi. Faut quand même faire gaffe de pas les suivre de trop près non plus. Et donc là, en fait, la technique pour réussir à passer
au niveau de l'ascenseur, en fait, il faut aller activer une sorte de magnétophone avec de la musique pour que les flics viennent voir ce qu'il y a. Et il y aura la voie libre. Et ensuite, on pourra passer. Donc là, en fait, il faut se cacher ici en attendant que celui qui est vers la porte parte de là. Écoutez, on n'est pas là pour vous. Le type qu'on cherche est extrêmement dangereux. On est tous dangereux, mec. On est tous des animaux. En fait, on va rentrer dans l'appartement, bah là, avec la porte ouverte. C'est ton sang et celui de tes potes qu'on retrouvera bientôt sur les murs. Alors tu nous laisses entrer ! Pas sans mandat. Voilà, donc là, il va partir juste là à gauche. Et là, on va directement ici. Ensuite, on met la musique. Et plus qu'à attendre qu'ils arrivent. J'adore ce morceau. T'as de vide ? Et là, c'est bon, on peut y aller. Donc voilà, comment finir ce niveau sans se faire repérer du tout. Bah, il y a eu un petit bug en chargement, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et là, on arrive dans la gare. Donc je vous retrouve très bientôt pour la suite de ce niveau, donc de la gare, toujours sans se faire repérer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos, et puis à mettre un petit commentaire, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà. Allez, à très bientôt, ciao.